Et bonsoir tout le monde. Bienvenue, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Cécile, bonsoir Nathalie, bonsoir mon père qui est là. Alors ce soir, ici, ça sera du coup Instagram et ici, ça sera TikTok. Alors bonsoir à ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas David, médium Paris, comme c'est écrit dans l'énoncé. On a rendez-vous ce soir à 21h pour 1h, 1h30 de médiumnité en direct et surtout de contact défunt. Donc, je vais vous apporter les messages de vos proches disparus. Donc, je vais me concentrer pour vous apporter les messages précis, hein, comme d'habitude. Et je le souhaite pour vous parce que je sais que c'est très important, que c'est pas évident de perdre un proche et notamment que ça soit quelqu'un de votre famille ou pas forcément de votre famille, mais que ça soit un enfant, un parent, enfin bon. Quelle que soit la perte, c'est toujours dur pour tout le monde. En tout cas, sachez que depuis enfant, je suis connecté, comme on dit, à l'autre monde. Je suis très croyant et je donne mon maximum pour vous aider, que ce soit à travers les lives ou à travers mes consultations que je fais dans le monde entier, donc via téléphone et visio ou en direct à mon cabinet parisien. Où j'exerce seul, évidemment, c'est mon cabinet. Donc, ce soir, on est tous ensemble. J'espère que vraiment vous allez bien, que vous êtes dans la bienveillance parce que c'est très important. Il y en a qui sont parfois un peu agacés de... Excusez-moi, je vais mettre un... Donc, j'espère que vous êtes dans la bienveillance, dans l'amour parce que c'est cette énergie-là dont j'ai besoin pour pouvoir me connecter au mieux afin de vous apporter les bons messages. Bonsoir Chantal Piche du Canada. Quand vous êtes derrière votre écran et que vous êtes connecté avec moi en direct, enfin, là, je parle quand vous êtes derrière votre écran. Faites la paix avec vous, avec le monde entier, si vous voulez, et avec ceux qui sont connectés aussi, là, sur les réseaux en même temps, et ne vous agacez pas. Ne demandez pas, j'ai envie de parler à mon père ou j'ai envie. Bonsoir Lionel, j'ai pas. Coucou Aurore, moi aussi je veux une communication et tout ça. C'est pas moi qui décide, c'est eux qui viennent à moi. Et du coup, je vous apporte les messages qui vous sont destinés, mais je choisis pas forcément en fait. Hein. Le hasard n'existe pas, donc si vous êtes là et si y a un message pour vous, c'est qui vous était destiné, que c'est comme ça. Alors, ne m'en voulez pas si je peux pas donner des messages à tout le monde. Hein. Je fais le maximum. Et donc, ne vous énervez pas de votre côté en disant c'est trop long, c'est pas assez long, elle a beaucoup de messages, etc. Regarde ses yeux, regarde son nez, on regarde rien. On est là dans la bienveillance et dans l'amour. Et ensuite, peut-être, ça viendra à vous. Le droit d'image. Vous savez que si vous êtes connecté sur mes réseaux, toutes les vidéos sont réutilisées. Que ça soit des réponses à des commentaires ou que ce soit des directs, des lives, elles sont rediffusées sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram dans les Reels. Et après, elles sont reportées le lendemain dans les YouTube, sur ma chaîne YouTube. Nicolas David Medium Paris, vous avez tous les replays. Et donc, vous acceptez d'être filmé et que la vidéo, elle soit un peu en boucle en fait sur les réseaux.
Donc, si vous êtes en pilou-pilou, en pyjama, chez vous, ben, mettez un pull, mettez quelque chose, parce que vous allez être filmé. Alors, je vous demande, pour l'interaction, d'être face caméra, c'est le mieux, et pas dans le noir, hein. J'ai pas besoin de voir vos dents. Alors, il me suffit de voir vos yeux, mais après, c'est plus sympa pour l'interaction et pour les spectateurs qui sont là, ben, de vous voir aussi, pour voir vos réactions en direct. Tous les gens qui se connectent à moi ce soir, ben, je les connais pas, hein, c'est pas truqué. Donc, ah oui, t'as raison, Nat, merci. Quand je vais vous dire, ceux qui me connaissent, ils savent un peu comment ça fonctionne, mais en fait, je vais capter des informations et il faut vraiment que tout corresponde normalement. Je vais dire, je prends toujours cet exemple, hein, Chantal, le cancer des os, qui vient pour son mari, je sais pas, je vais dire une ville, j'en sais rien, en fait, tout ce qui me vient. Il faut que ça corresponde, il faut pas dire, ah ben moi je connais Chantal, mais c'est une amie, et en fait c'est Mireille qui est décédée, et c'est pour elle, non, c'est pas pour elle le message. Il faut vraiment que ça colle, parce que il faut pas qu'il y ait un méli-mélo de messages, en fait. Après, il se peut que lors de la séance, lors de la lecture, je capte des informations qui peut-être vous correspondre, mais c'est en effet boule de neige, mais c'est pas forcément que ça soit le même défunt. Il y en a pour qui c'est leur premier live. Alors j'espère que vous êtes allé quand même fouiner sur la chaîne YouTube pour voir les anciens lives, pour voir comment ça se passait un petit peu. Donc quand je suis en communion, j'allais dire, avec la personne à qui je délivre les messages, essayez de pas trop polluer le chat, de pas mettre 40 messages. Si vous voulez dire c'est beau et envoyer des cœurs, d'accord. Mais ne dites pas, oh là là, moi je veux mon père, je veux ma mère. Je comprends que c'est une détresse pour vous, mais en fait, si vous voulez, parfois je ne peux pas lire les réponses de la personne si c'est pas du tout en vidéo. Alors le mieux, c'est la vidéo quand même, parce que après, dans les rediffusions, il n'y a pas les commentaires, il n'y a pas tout ça. Il faut de la patience, de la bienveillance et du respect. Merci Nathalie. Vous avez deux modérateurs, je crois, il n'y a pas Magali. Sur le chat, il y a Nathalie qui est Easy & Co. Qui est là pour vous renseigner si vous avez besoin, enfin si elle a envie évidemment, elle fait comme elle veut, dans la bienveillance toujours. Nathalie est quand même quelqu'un de connecté qui commence un peu à revenir, j'ai l'impression. Il y a Cécile aussi qui est connectée, qui est hypnothérapeute et qui exerce à Paris et par visio. Vous avez en cliquant sur leur bio, vous avez toutes les informations à disposition. Ensuite, pour ceux qui demandent, parce que je vais pas le répéter tout le long du live. Pour ceux qui demandent mon livre, le premier, c'est Le chuchotement des anges. Il est au tarif de 15 euros, au tarif éditeur de 15 euros. Vous l'avez sur Amazon, sur deux sites, Chapitre, sur un peu tout, Erol, je crois, la Fnac, enfin vous l'avez un peu partout. Vous pouvez pas forcément le commander chez votre libraire, vous pouvez lui demander, mais je pense qu'il faut qu'il ouvre un compte auteur pour moi et généralement ça les intéresse pas. Mais vous l'avez à disposition en tout cas sur Internet et il est en e-book aussi. Merci à tous ceux qui l'ont lu d'ailleurs. Vous pouvez aussi également l'avoir dédicacé, une dédicace personnalisée. Ça veut dire que vous allez fournir votre date de naissance. Et moi, je vais me connecter et je vais vous mettre un petit mot qui correspond un peu à votre chemin de vie et à vous. Pour cela, il faut commander le livre sur mon site internet, www.nicolasdavidmediumparis.com, aller dans la section Mon livre, et là, vous avez l'achat du livre dédicacé avec la pochette. Alors, suivi en France, ça, c'est 7 euros à peu près. Donc, le livre avec la pochette suivie et son petit marque-page, le chuchotement des anges, ça vaut 22 euros. Vous payez pas la dédicace, évidemment, mais vous payez les frais de port, hein. Je suis désolé, je peux pas les offrir à tout le monde. Et pour l'international, donc en dehors de la France, que ce soit la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, le Koweït, les États-Unis, Brazzaville, Tahiti, c'est cette pochette qui vaut à peu près, je crois, entre 12 et 15 euros. Et du coup, le livre, eh ben, il sort à 29,90. Voilà. Donc faites attention quand vous allez sur le site, il y a bien le bouton commander, payer pour la France. Par contre, pour l'étranger, il faut envoyer un email avec votre demande, donc avec vos coordonnées. Et là, on vous enverra une facture à régler. C'est une facture généralement qui est au nom de mon site, hein.
via Wix. Donc, c'est mon adresse mail qui apparaît, Nicolas David Medium Paris ou nicolasdavidmedium@gmail.com. Et là, on vous demandera de régler cette facture et on vous enverra évidemment le livre, pas signé, dédicacé, personnel. Donc, il y a un endroit où vous réglez et un endroit où vous, et un endroit, un mail, vous envoyez un mail pour vos coordonnées, parce qu'il y a plein de gens, c'est écrit hein, sur le site, il y a plein de gens qui demandent où envoyer ma date de naissance, ben, c'est indiqué par mail. Attention également, je vais y arriver, j'ai pas fait de notes, j'ai rien fait. Attention aux usurpations d'identité, à l'usurpation d'identité. Ils sont à peu près une quinzaine maintenant qui sévissent et qui se font passer pour moi. Eh bien, ce n'est pas moi, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous êtes à peu près 85 000 sur TikTok, vous êtes à peu près 70 000 sur Instagram, 3 000 sur Facebook, 3 000 je crois aussi sur YouTube, donc ça fait énormément de monde, ça fait à peu près 160 000 personnes. Donc dites-vous bien que si vous recevez un message de Nicolas David Medium, de David Dume, de David Officiel Medium, de je ne sais pas ce qu'ils ont inventé comme surnom, ce n'est pas moi, puisque je vous contacterai pas. Vous êtes tellement nombreux que dites-vous bien qu'évidemment c'est pas moi qui vous écris un petit message et qu'en plus qui vous propose mes consultations. C'est pas du tout moi. Ensuite, on m'a posé la question. Mon site web, c'est mon site web. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas encore de fake, de faux site web. Donc c'est www.nicolasdavidmedium.paris. Com. Si vous mettez Nicolas-DavidMedium.com comme avant, ça redirigera sur mon site. Mon site, il n'est pas trafiqué, donc il y a bien tout qui est indiqué, vous inquiétez pas. Et ensuite, ben, les autres projets, je ne peux pas vous en parler parce que c'est secret. Vous en saurez plus tard. Mais en tout cas, il y a plein de choses à venir, hyper sympa. Alors, je vais répondre à quelques questions et après, je. Évidemment, s'il y a des petits défunts qui se présentent, je vous dis ce que j'entends, ce que je sens. On va se mettre une petite musique d'ambiance, comme on avait avant. Et cette musique, c'est celle-là. Alors, j'en mets pas trop fort parce qu'après, il y a des droits d'auteur et je pourrais pas utiliser les vidéos. Alors, n'oubliez pas que vous consentez au fait d'être filmé. Normalement, je crois qu'il faut 1 000 abonnés sur TikTok pour faire un live en direct là. Donc, si vous n'avez pas les 1 000 abonnés, hein, ce qui est normal et ce qui n'est pas très grave dans l'absolu, je vous demanderai si le message est vraiment pour vous d'aller de basculer sur Instagram. Donc ici, là, on a Instagram. Donc vous cherchez dans la barre de recherche d'Instagram Nicolas David Medium Paris, c'est moi. Il y en a qu'un. Les autres, alors. Ce qui peut me différencier des autres, ben j'ai qu'un seul compte officiel, c'est le nombre d'abonnés. Là où il y a beaucoup d'abonnés, ben c'est moi. Les autres, où vous avez 2 000 abonnés, vous en avez 440, je ne sais pas combien ils en ont, ben c'est pas moi du tout, hein. Faites vraiment attention. Donc, si vous n'avez pas TikTok, Instagram, si vous n'avez pas d'abonnés, c'est bien, vous pouvez passer directement. Donc, ajoutez-moi sur Insta, comme ça vous pouvez me retrouver plus facilement. Et ensuite, je vous prendrai en direct. Alors, généralement, je sors le téléphone du rond lumineux et je filme pour qu'on puisse continuer de voir, que ce soit et sur TikTok et sur Instagram. Alors, il y a un truc avec des abonnements et j'y comprends rien. Alors, on a des abonnements VIP. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Excusez-moi, je regarde 2 minutes. Donc du coup, gérer les abonnements. Je sais pas ce que c'est. Parce que je vois que vous êtes 3 personnes à être abonnés. Je suis désolé, je ne sais pas à quoi ça correspond. Même si j'adore la technologie, je vais avoir 41 ans, donc pas je patauge, mais il y a Sophie Xixo qui est abonnée, il y a Martine 2314 et il y a Roulette 42 qui sont abonnés VIP. Ah, ce sont des abonnements payants. Et à quoi ça sert ces abonnements payants? Le son doit être meilleur sur TikTok parce que j'ai un micro qui est sur TikTok. Par contre, j'ai pas
le micro qui va aussi, qui est pas splitté sur Instagram. Bon, en tout cas, je sais pas où il... 18,99 pour vous, bah, je sais pas où ça va parce que j'ai pas eu de notification de a prioritaire. Non, il est bien. Si tu fais des live VIP, il n'y a que ces trois personnes qui pourront les voir. Ah, et bien normalement, on passe en priorité. Ah, d'accord. Alors, il faudra que je fasse un live spécial, du coup, un peu pour vous. Ben, je vous ferai un peu une guidance, du coup, parce que je vois pas pourquoi vous réglerez un abonnement et qu'il n'y ait pas un retour. Donc, je vais faire des lives spéciaux VIP. Ça va être sympa. Merci pour tous les cadeaux, merci pour les abonnements. Alors oui, c'est gratuit. Il y en a qui me demandent est-ce que c'est payant? Non, c'est complètement gratuit. Par contre, je peux pas répondre à vos questions sur les projets parce qu'il y en a tellement et j'ai pas le droit de parler, donc je vous dirai rien sur les projets. Vous verrez quand ça va arriver de toute façon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je disais? Cécile, qu'est-ce que je disais? Je parlais pas des projets, je parlais d'autre chose. Les projets, c'est secret. Et je disais autre chose. Ah, je sais plus, c'est dingue, hein. J'enchaîne les consultes, donc c'est un peu fatigant pour moi. Répondre aux questions, les VIP. Oui, Sab. Notamment, la réponse oui, c'est pour vous. Ah oui, Cécile, merci. Les défunts se présentent à moi directement pour vous apporter des messages. Oh là là! Alors, je sais que pour vous, c'est un peu le cinéma. C'est un peu, vous êtes en direct et c'est génial. Pour moi, déjà, qui ai beaucoup donné d'énergie pour mes séances, je suis encore fatigué, évidemment. Alors, bon, les guides, connectez-vous à moi. Appelez-les de votre côté, dans votre... je sais pas si vous êtes devant la télé, dans votre canapé, dans la chambre, ou assis à une chaise ou autre, ou dans la voiture. Connectez-vous à eux pour qu'ils viennent m'apporter les messages. Donc, dites-leur, papa, maman, vous le nommez, allez voir Nicolas pour avoir des messages. Alors, c'est Aurélie Lily. Alors là, ça me fait écrire. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait d'écriture automatique. Alors. Aurélie, je suis ta grand-mère. Aurélie Lily, je suis ta grand-mère. Alors cette personne, elle est partie de la tête, hein. Il y a un truc avec les étourdissements. Il y a la tête qui tourne. 75 ans à peu près, terrain terrestre, étourdissement, 75 ans. Alors, c'est je suis parti trop tôt et tu n'as pas pu me dire au revoir. Mais elle est un peu rigolote quand même. Elle était un peu rigolote parce qu'elle a dit, j'ai pas pu te dire, tu n'as pas pu me dire au revoir.
Et elle me fait rire parce qu'elle dit, de toute façon, je suis sourde, j'aurais pas entendu. Ils sont rigolos. Ils gardent vraiment leur essence de comment ils étaient sur Terre. Hein. Bon, elle était un peu sourde, quoi. Elle n'avait pas d'appareillage, mais elle était un peu sourde. Alors, les anges, il me faut plus de renseignements sur vous, s'il vous plaît, parce que là, ça ne suffit pas du tout. Hein. Attends. Je suis parti trop tôt et tu n'as pas pu me dire au revoir. Il y a Thibaut aussi, Thibaut. Thibaut, ça doit être peut-être le fiancé alors ou la personne. Je suis désolé, j'ai que trois éléments pour l'instant. Hein. Aurélie Lily, qu'on appellerait peut-être Lily. Une dame âgée de 75 ans, mais normalement j'ai quand même plus d'infos, hein, qui est partie trop tôt, enfin 75 ans, trop tôt parce qu'elle a, on n'a pas pu lui dire au revoir, et il y a le prénom Thibaut. Je vais essayer d'avoir d'autres infos quand même. Hein. Aurélie. Alors, Thibaut. Ah, et son papa, alors, le père est parti, alors, dans l'adolescence, c'est ça? Le père est parti dans l'adolescence. Donc, il faut qu'elle reprenne confiance en elle. Oui, je me concentre, les anges. Aurélie, la grand-mère. La grand-mère. Alors, comment vous êtes, madame? Dites-moi un signe distinctif ou... Je suis désolé, hein, je ne regarde pas les commentaires parce que je veux vraiment capter l'information, moi. Hein, donc, je ne regarde pas. Hein. Aurélie, étourdissement. Thibault, le père. Qui est partie dans l'adolescence, faut qu'elle reprenne confiance en elle. C'est hamster. Elle a eu un hamster ou un truc comme ça. Mais vous, vous pouvez pas me dire plus sur vous? Je pense que c'est peut-être il y a 2-3 ans qu'elle est partie. C'est pas si, il y a pas très longtemps en fait. Je suis désolé, je regarde pas. Est-ce que déjà Cécile ou Nathalie ou Magali, je ne sais pas si Magali était là, bonsoir. Bonsoir Patricia. S'il y a quelque chose qui peut vous correspondre. Les anges, il faut que vous soyez plus précis. Alors, Thibaut, Timéo, peut-être. En tout cas, il y a le T et le O dedans. Ah, c'est gentil pour vos messages, merci. Oui, il suffit d'être abonné en fait. Je disais, c'est gratuit, ça me revient. Il suffit d'être abonné sur Insta et sur TikTok. Hein. Alors, je vois pas les messages. Est-ce que déjà... Ah oui, ça va Magali. Super. Alors, est-ce que j'ai une Aurélie? Ou Lily? Ou quelqu'un qu'on appelle Lily et qui a Aurélie, s'il vous plaît. Alors... Est-ce que Aurélie, vous avez un rapport avec la Bretagne? Bon, là, je regarde sur TikTok. Ah, merci pour les papillons, pour tout ça. Je ne sais pas comment ça marche, mais merci.
Kenji, c'est lui la Bretagne. Non, mais là, il faut que ça corresponde avec Aurélie et tout ça. Hein. Ah, c'est gentil, Sophie Bounty, vous aussi. Bon, personne sur Insta. Ah, merci, Aurore, de répéter. Et je crois que c'est où? C'est. Ouais, Thibaut, Timéo, tout ça. Mais j'ose pas. Et ouais, mais si vous osez pas, vous voulez pas avoir de message, Aurélie? Bon, il y a des choses, mais j'ose pas. Alors, deux Aurélie, ça serait sur TikTok. Après, je vous fais pas ça en live, hein. C'est un grand monsieur là à côté. Donc il y en a un autre qui veut faire passer un message. C'est à la jambe gauche. C'est comme s'il y avait une espèce d'étau à la jambe gauche. Alors, est-ce qu'il s'est fait opérer de la jambe, du genou? Il y a une espèce d'étau pour tenir la jambe. J'ai l'impression qu'il a une fracture de l'os. C'est jambe gauche. C'est un grand monsieur. Et vous ne me dites pas votre nom? Il est un peu latin, j'ai l'impression, dans son être. Et oui, il y a du monde. Vous êtes 1000. Il y a 372 sur Insta et 663 sur TikTok. 675. Alors, l'hippocampe, elle a juste pas Thibaut et pas de Bretagne. Et votre grand-mère, est-ce que elle est partie? Vous n'avez pas pu lui dire au revoir. C'est ça surtout aussi. Qui me parle? Mon oncle s'appelait Lily. Il était de Bretagne, style gitan. Pas gitan breton, ouais. Mais lui, c'est le grand monsieur qui s'est fait opérer de la jambe gauche. Manadina. Bonsoir. Ah, bonsoir, Graziella. J'arrive pas à voir, vous êtes trop nombreux. Une rockstar, non? Très grand, un peu bohème, oui, il boitait. Alors c'est bizarre quand même. Peut-être que j'ai deux défunts avec moi. Alors, du coup, Manadina, est-ce que vous pouvez aller sur Instagram, s'il vous plaît, comme ça, je vous mets en duo avec moi, s'il vous plaît. Mais ça arrange pas la caméra, ça fait pas top la caméra. On rend toujours mieux en vrai, c'est mieux. Oh. Je vais tout faire tomber. Manadina, je vous attends sur Insta, s'il vous plaît. Même là, non, là, ça va pas du tout. Aurore, ça va pas du tout. Si je m'approche, ça fait blancaou, ça va pas du tout. Enfin, on s'en moque, on est là pour les anges. J'ai pas Instagram. Ah, on rencontre un petit problème.
Alors, ah, il y a même la Corse. Normalement, on a la Corse, on a la Suisse, on a l'île de la Réunion, le Canada, on en a un peu de deux partout. Alors moi, il faut vraiment que je donne le message, hein. Si j'ai une dame, alors Mana Dina, si vous n'avez pas Instagram, mais il me faut cette Aurélie là, il y a un truc. Parce qu'il y a quand même la grand-mère et qui est partie trop tôt et on doit lui dire au revoir. Donc il me faut absolument cette Aurélie Lily là. Même si le monsieur peut se prénommer aussi Lily, ce qui correspond, hein, parce que généralement, il y a comme un entrechoquement des défunts. Ah, il y avait Refond, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Il y a le Liban aussi, ah ben dis donc. Lily Pocan. Bon, il n'y a pas d'Aurélie chez moi. Bon, ben Manadina, j'espère que c'était pas votre oncle hein, pour vous, parce que... Alors, on va y arriver, il y a beaucoup de monde. Ouais, vous êtes 966 en tout. 400, 500, ouais, 966. Alors, il y a un Chris, mais Chris, c'est pas ça. Il n'a pas dit au revoir à sa grand-mère. Ah, il y a sa grand-mère Lily. Alors, il est où ce Chris? Mais c'est bizarre parce que j'ai pas eu Chris quand même, hein. Est-ce qu'Aurélie lit? Bah, dis donc, Aurélie.lit, est-ce que votre grand-mère est partie? Vous lui avez pas dit au revoir? Bon, après, la Bretagne, ça peut être un endroit où vous allez aller, hein, aussi. Il faut que tout corresponde. Il y a le père, donc les parents ont dû se séparer assez tôt puisque le père est parti dans l'adolescence. Et après, j'ai Thibaut, Timéo, j'ai un truc comme ça. J'arrive plus à suivre tous les messages, j'en ai 42 en attente. Ah, c'est gentil, Véro. Bon, après, j'ai pas trop fait de live, hein. Parce qu'on a des habitués, si vous voulez, on a des fans. Et ouais, il y a trop de personnes qui envoient des commentaires, donc c'est un peu compliqué. Alors, Lilian Family, merci Valérie, parle de sa grand-mère. Bisous Lionel. Au revoir Rose. Bah, il y a beaucoup de monde. Éléonore, ouais, ça change, hein. C'est pour ça qu'après les lives contact défunt, c'est compliqué quand il y a énormément de monde. Donc, je pense que je vais faire les contacts défunts. Du coup, c'est pas bête ces trucs VIP. Je vais le faire que pour les VIP, je pense. Comme ça, je rapporterai des messages. Ah, Sam Labelette, elle est fan. Ouais, vous êtes plus sage sur Instagram, hein. Ouais, ce soir, il n'y a pas. Il y en a qui marquent, il n'y a aucun respect ce soir. Mais VIP, apparemment, moi, je ne savais pas que ça existait, mais c'est automatique chez TikTok. Alors, c'est payer un abonnement, hein. Ben, je sais pas, les gens ils disent que c'est 5,99. Ah, vous êtes de Toulon et moi de Sanary. Il y a Kelly White qui a abonné. Mais je sais pas comment ça marche. J'ai pas du tout de. Oui, les défunts. Oui, mais Alex Mia, est-ce qu'il y a un rapport avec tout ce que j'ai dit? Oh, Alexandra, c'est pas pour que ça soit payant, hein, c'est parce que vous êtes trop et que du coup, en live, je ferai les réponses aux questions et les contacts défunts, je le ferai que dans des salles privées, des lives privés. Je pense que c'est ça qui propose TikTok. Oui, mais Aurélie, elle peut parler sur Instagram, s'il vous plaît, parce que je l'ai pas.
Ah, c'est vous qui avez la boucherie sur le port à Sanary? Cécile, elle doit dire, arrête, Lily Pocan. Alors, Lily Pocan sur TikTok. Lily and Family, ça pourrait correspondre. Alors, Lily Pocan, je vais remonter les messages, je vais voir si je la trouve. Alors, même pour moi, c'est long. Pour donner les messages, je trouve ça long. Je l'ai pas, je la vois pas. Je vois pas où elle parle. À Témiri, c'est abonné. Et vous, Leslie Ketch. Alors, Leslie, restez bien connectée, que je puisse vous donner le message. Lily Pocan, vous pouvez écrire, s'il vous plaît, que je vous retrouve. Et qui parle sur Instagram? Oh, mon Dieu, comme je m'y perds. Ah, Lily. Mais vous, c'est... Lily, c'était quoi, vous? Vous m'avez dit. Est-ce que ça correspond? Alors, Lily Pocamp, ça y est, je vous vois. Est-ce que vous pouvez passer sur Instagram, s'il vous plaît? Comme ça, je peux vous avoir en direct, en vidéo, ça serait super sympa que je puisse vous délivrer le message. Fanny, les prises de rendez-vous se passent uniquement via mon site internet. NicolasDavidMediumParis.com. Si, si, Lilian Family, je vois, mais il faudrait que vous me répétiez ce qui correspond, parce que vous m'avez dit, je crois, c'est Christophe, à mon avis, non, c'est pas ça que vous m'avez dit tout à l'heure? Ou est-ce que c'est vous, qui, Lilian Family, qui êtes Lily Pocamp sur Insta, sur, Alors attendez, je vais prendre Lily, on va voir hein, Lily and Family. Lancer un direct. On va faire un direct avec Lily and Family. Attendez, ça arrive. Alors pourquoi ça ne marche pas? Je suis là. Vous me voyez de près là. Lancer le direct. Mais non, lancer le direct. Alors, je vais vous basculer. Bonsoir. Alors, je ne vous vois pas. Ah, peut-être je vais vous voir. Ah, bonsoir. Oui, je vous vois un peu. Donc, vous, c'est Family. Et alors, vous, c'est Aurélie ou c'est la famille? Moi, c'est Aurélie. Et est-ce que c'est vous, Lily Pocamp, sur TikTok ou pas? Non, c'est Ah, pas moi. c'est pas les mêmes. Il va y avoir une interférence de défunt, ça va être énorme. Alors, du coup, est-ce que ça vous correspond? Là, ça serait plutôt la grand-mère qui est partie. Eh, c'est dommage, ouais. Est-ce que vous êtes là? Ouais. Ah, c'est ce soir, J'entends mal. ça veut pas ce soir, hein. Et pourtant, je suis là. Ah, mais c'est moi qui dois capter. Alors, essayez de vous mettre dans un coin où au moins vous pouvez m'entendre. À peu près, pas tout le temps, mais à peu près. Alors, ça serait vous ou votre grand-mère serait partie il y a à peu près 2-3 ans. Il y a 2 ans. Et vous n'avez pas pu lui dire au revoir, c'est ça? C'est ça. Donc c'est lié peut-être à la Covid alors. Elle n'est pas décédée du Covid,
Non, mais le fait de ne C'était pas y pas être allé. Oui, c'est à cause du Covid. Voilà. Et alors, je ne sais pas pourquoi j'entendais Thibaut, Timéo. Il y avait un truc avec Thio, en tout cas. Non, Il j'ai faut. pas de. Il faudrait que je vois soit si c'est pour d'autres personnes, soit si c'est vous pour après. Et vous, est-ce que vous avez eu un problème avec votre père ou est-ce qu'il est parti pendant l'adolescence? C'est important aussi ça. Il y a eu des conflits, mais il n'est pas parti. Il n'est pas Il parti. n'est pas parti spécialement. Enfin, mes parents se sont séparés. J'avais 12 ans. Je ne sais pas si ça peut être rapport à ça. Ah, d'accord, ok. Parce que mes Donc c'est ça que j'avais écrit, la séparation des parents dans l'adolescence. Et après je sais pas pourquoi j'entendais hamster. Alors je sais pas si vous avez des hamsters ou si vous avez un hamster ou si vous avez un truc. Non, Il va non. falloir que les gens qui sont connectés, il faudrait que vous y retrouviez là-dedans puisque ça fait beaucoup de choses. Oh, il y a toujours ce monsieur avec sa jambe là. Il va falloir que je passe le message après. Donc ne culpabilisez pas par rapport à votre grand-mère. Je pense qu'elle devait être un peu sourde de toute façon, parce qu'elle m'a fait rire tout à l'heure. Elle m'a dit, même si elle m'avait dit au revoir, j'étais un peu sourde de toute façon. Et ça m'a fait rigoler, ça. Donc, elle devait pas être forcément hyper active ou hyper dans la rigolade, mais elle avait un petit côté quand même rieur. Elle n'était pas complètement dépressive, hein, votre grand-mère. Hein. Qui message est pour moi ou pas, mais je sais pas. C'est ma cousine en fait qui m'a dit de regarder votre vidéo et parce qu'elle pour elle sentait que c'était moi. Mais est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? C'est ça qui est important. Oui, sur certains trucs, oui. Après, oui, elle était un peu sourde parce qu'elle disait toujours qu'elle m'entendait pas quand je parlais parce que j'ai la voix basse. Mais après, elle n'avait pas de gros problèmes de sourdité, quoi. Oui, Mais voilà, oui, elle ouais. était un peu. Ouais, parce que moi, j'avais ça et j'avais pas le côté d'avoir des sonotones, tout ça. Hein. C'est bien ce que j'avais dit tout à l'heure. Oui, ça, c'est important. C'est fou parce que vous avez tous des problèmes dans l'affection quand je suis connecté à vous. C'est comme si on devait vous remettre dans le droit chemin ou de vous aimer et de plus être en conflit avec la vie. Il y a une espèce de bulle de colère que vous mettez autour de vous et il y a l'énergie qui est pas alignée en fait. On vous demande de lâcher prise en fait, de pas être dans la lutte. C'est un peu ça. Non, j'entends pas tout, tout, tout. Mais vous êtes jeune du coup, vous. J'ai 32 ans, ouais. Et alors, vous, par rapport à l'affection, on dit que c'est aussi compliqué dans les relations de couple et tout ça. Hein. C'est très conflictuel parce que les émotions, elles sont tellement d'un coup haut et bas. Vous avez besoin d'être rassuré tout le temps, mais en fait, vous exprimez pas forcément de la bonne façon parce que vous allez crier des signaux de détresse et on vous dit non, de plutôt de vous apaiser, pardon, et de dire ben là, je me sens pas forcément bien. En fait, vous avez du mal à accepter vos faiblesses. Il faut toujours que vous soyez hyper forte alors que vous êtes hypersensible. Ça. Pourquoi vous devez toujours être forte? Vous n'en avez pas marre de faire style d'être forte tout le temps? On n'est pas des Wonder Woman, ni des Batman. Si, c'est ça. Mais bon, on me catégorise souvent comme forte, Eh donc oui. je me dis que je reste forte. Oui, parce que vous montrez les dents souvent, mais en fait, il faut vraiment. Vous êtes juste hypersensible, enfin, vous êtes sensible, et vous vous protégez donc des énergies extérieures. Alors, ce qui est bizarre, est-ce que vous avez eu un petit garçon ou pas encore? J'ai trois enfants, mais j'ai eu un petit garçon il n'y a pas longtemps. Ah, voilà, c'est Enfin, il y ça. a moins d'un an. Ouais, ok, c'est ça. Ah là là. Donc, elle dit qu'il va falloir le canaliser, celui-là, mais que c'est une très très belle âme. C'est comme un ange tombé du ciel avant. Ça vient de me faire pleurer. Il est très doux. Il est très, par rapport aux deux autres qui sont plutôt énergiques, on va dire. Lui, il est Bah, très il est posé. très speed. Il est très speed, mais il est très câlin.
Et en fait, c'est pour vous montrer que vous êtes capable d'aimer sereinement, en fait. C'est d'être dans le calme, la sérénité, ça vous pose ça. En fait, une fois que vous êtes avec lui, ça vous détend. Alors que les deux autres, c'est pas pareil. Il y a le côté mère, d'accord, mais il n'y a pas cet apaisement, en fait. Et il est vraiment envoyé pour vous diriger vers aime-toi et aime les autres. Sois pas tout le temps dans le conflit. C'est vraiment ça, hein. Ça, c'est ce que dit votre grand-mère, hein. Et c'est ce que je pense à chaque fois quand je vois mon fils. Du coup, comment il s'appelle? Evan. Ah d'accord, ouais, rien à voir. Rien à voir. Mais c'est bizarre, pourquoi je capte ces informations? C'est bizarre. On va voir si c'est pour les autres personnes. Alors. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un truc pour les enfants en difficulté. Alors. Ah bon, vous allez l'amener vers ça? Alors, on va vous amener vers la. Parce que vous, il y a un côté justicière en fait en vous. Et on va vous amener vers l'aide aux enfants en difficulté, apparemment. Ça, c'est un truc qui vous Stylé. perturbe beaucoup, ça. De ce qu'elle dit, hein, elle va vous amener vers ça. Là, vous en avez marre parce que vous ne voyagez pas. OK. Mais elle dit que ça va se faire, donc il faut juste attendre. J'aime beaucoup les voyages. Mais vous n'êtes pas à Paris, du coup, parce qu'elle me dit, elle doit aller à Paris, en fait, dans quelques temps. Et elle surveille ça. C'est pas prévu. Mais vous n'êtes pas à Paris, hein, c'est ça, hein? Non, pas. Mais normalement, vous devez y aller. Et pour les enfants en plus. Alors, je ne sais pas si c'est dans les 2 ans, mais elle dit ça en fait, hein. Je sais pas. Il faudra rassurer. Vous m'avez dit Evan, Erwan, pardon. Est-ce que vous êtes là? Ça recapte. Le jeune, le plus petit, il faudra le rassurer au niveau scolaire, en fait. Il aura du mal, Evan, pardon. Il faudra le rassurer au niveau scolaire, lui. Il met du temps, mais ça ne veut pas dire qu'il a des lacunes ou qu'il va pas y arriver, hein. Il va y arriver, vous inquiétez pas, hein. Là, pour l'instant, il est petit encore. Ouais, vous allez voir. Oui, vous m'avez dit un an, ouais. Bon, vous allez voir. Bon, j'espère que déjà ça vous a fait du bien parce qu'il ne faut pas culpabiliser par rapport à cette perte. Je vous ai pas entendu. Il ne faut pas J'ai entendu quoi? culpabiliser par rapport à cette perte. Et franchement, elle sait que vous n'avez pas pu venir, que ça vous tenait à cœur de venir, mais elle est là, hein. Mais je la sens souvent. Donc, priez, envoyez de l'amour, comme je dis tout le temps, envoyez beaucoup d'amour. Très bien. Je Eh vais bien, passer merci. au monsieur avec sa jambe parce que il m'embête. Il veut absolument que je passe le message. Je vous souhaite une excellente soirée et prenez soin de vous surtout, Ben hein. merci. Au revoir. C'est dommage qu'on capte pas trop bien. Ça rend pas pareil. Alors, il me faut absolument la personne à qui ça correspond, le monsieur là, vous m'avez dit tout à l'heure. Qui c'était? J'ai chaud là. Oui, mais c'est la façon AD dont il se présente. Comme il a eu cette problématique dans sa vie terrestre, c'est comme ça qu'on le reconnaît. C'est pour ça qu'il me dit sa jambe. Alors, il faut que je remercie ceux qui se sont abonnés quand même. On a Temiri Jewel qui s'est abonné, on a Aude Margot 08,
Donc merci à vous sur un truc spécial du coup. Pour le monsieur. Ah, c'était vous pour le monsieur, c'est vrai. Lancer un direct. Mais non, c'est souvent sur Insta maintenant. C'est plus rare sur TikTok. Allez, c'est reparti. N'oubliez pas, vous avez tous les replays sur la chaîne YouTube Nicolas David Medium. Bonsoir, bienvenue. À qui ai-je l'honneur? Ah, Leslie. Alors, est-ce que c'est vous, ce très grand monsieur, il est content, dis donc, qui a eu le problème à la jambe gauche? Alors, je sais pas s'il s'est fait opérer ou s'il a eu un. Apparemment, il a un gros souci parce qu'il boitait ou je sais pas quoi. Et c'est sa référence, en fait, c'est pour se rappeler que c'est bien lui. Eh ben, je vous entends pas. Vous êtes là? Vous m'entendez? Ah ouais, super. Il avait eu un grave accident de la route en 93. Ah ouais, donc c'est assez ancien quand même, hein. Alors qu'est-ce Oui, que... et il s'est suicidé en 2003. Ah, et du coup, vous culpabilisez par rapport à ça, ou la famille doit culpabiliser par rapport à ça. Et en fait, il ne faut pas rester sur ça. Mais il est bien, apparemment. Il est vraiment heureux. Là, il est soulagé. C'est pas comme d'habitude avec les personnes qui se sont ôté la vie, où il y a la vitre et tout ça. Là, il n'y a pas de vitre. Mais il avait une moustache. Il avait un truc comme ça dans sa jeunesse. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez des photos où il a la moustache? Parce que là, il l'a, en tout cas. Donc il est content, il est bien. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, vous devez apporter la raison. Alors la raison. Vous allez l'aider. Ah d'accord. Donc il y a un projet de financement ou je sais pas quoi. Il va vous aider. Je ne sais pas ce que c'est. Vous avez signé un papier, vous avez un projet avec des finances ou quelque chose comme ça, ou peut-être un achat. Il y a signature avec finance. Mais il dit projet. Il me dit pas immobilier. Hein, j'entends pas immobilier. Alors, je viens de faire une rupture de contrat conventionnel et je recherche dans quoi je pourrais me relancer. Ah. Mais normalement, vous avez aussi des cas. C'est souvent, hein, les gens qui sont connectés. Je suis tout rouge. Il fait une chaleur ici. Quand je suis connecté, c'est une horreur. Ça change. Qui va vous aider, mais normalement vous êtes capable de créer votre entreprise. Donc je pense que vous n'allez pas le faire maintenant. C'est souvent dans les connectés que j'ai ça. C'est que vous allez reprendre un autre emploi pour l'instant. Mais comme il n'y aura pas la reconnaissance attendue au niveau du travail, vous créerez quelque chose à votre compte. Vous êtes capable, hein. Dites-vous que vous êtes vraiment capable, hein. Mais je l'ai déjà eu fait. Et pourquoi vous retentez pas du coup? Mais en fait, Est-ce que vous avez là, fait un depuis peu que du j'ai pris cette coaching et tout décision. ça? Est-ce que vous avez fait un peu du coaching et tout ça aussi? Non. L'aide aux personnes? Non, mais justement, là, je suis en train Comme de chercher. RH ou un truc comme ça, quoi. Je suis en train de me rechercher et Est-ce que vous avez fait les tout ressources ça. humaines ou un truc comme ça? Non, jamais. Non, j'étais esthéticienne. Parce que vous avez beaucoup le social, ouais, vous avez ça, donc ça vous correspond, ça. Mais c'est bizarre parce que c'est moins dans le côté technique, esthéticienne, vous devez voir les gens, tout ça, et réaliser une prestation. Que là, c'est vraiment plus dans le parler. J'ai pas l'acte de faire un autre truc, en fait. Et oui, parce qu'il y a formation. Oui, il dit qu'il aide. Il doit y avoir une partie financière que vous pouvez avoir. Il dit, lui, je vais l'aider pour ça. Alors, c'est bizarre, vous étiez proche de lui. Vous ne pouvez pas être forcément proche de lui, hein, pour qu'il vous envoie des messages, mais... Et lui, ah, c'est vous qui avez dit qu'il s'appelait Lily tout à l'heure? Ah, Leslie, oui, Lily, on m'appelait Lily, oui. Ah, d'accord. Et lui, comment il s'appelait du coup? Parce qu'il ne me le dit pas, hein, ça. Patrick.
Bon, c'est bon alors. Donc c'est bien. Et là, il y a l'aide, donc ce truc financier, cette formation. Parce que je pense que vous n'y attendez pas à ça. Vous vous dites que comme vous partez, vous n'avez pas droit à ça. Mais à mon avis, il faut creuser. Il y a quelque chose, hein. Il y a une aide, il y a un truc. Me dites pas que vous avez des mini soquettes là. Vous mettez, est-ce que vous mettez des soquettes roses ou des trucs comme ça au pied? Je sais pas pourquoi je vois Oui, ça. ça. Oui, orange, oui, fluo, oui, ça arrive. C'est votre côté un peu fun ça. Il faut que vous alliez plus là-dedans. En fait, vous avez envie d'émerger dans un côté hyper fun, mais vous braquez. En fait, c'est dingue. Vous vous contenez. Et il me dit, dis-lui ça et qu'elle soit plus expansive. Vous avez tout à y gagner, hein. D'accord. Pourquoi? Après, c'est vrai qu'on a eu un événement très fort cet été où on a eu des révélations de famille très dures sur mes enfants. Et je suis un petit peu dans le bas en ce moment. Je m'éveille un petit peu au niveau de la spiritualité. Et c'est vrai que je fais souvent appel à lui, mes grands-parents. Ben vous pouvez continuer, hein, ils vous répondent, hein. Vous Il y a plein avez de soutien. donc il n'y a pas de hasard, hein, dans la vie. Vous pouvez continuer, hein. Ben bon courage à vous du coup. Ça va bien se Merci. passer, vous vous inquiétez pas et gardez confiance en vous surtout, hein. Bon, je vous embrasse. Passez une belle soirée. Merci beaucoup. Au revoir. La connexion Internet, elle n'est pas terrible aujourd'hui. C'est pas incroyable. Patrick avec sa jambe. Patrick avec sa jambe. J'ai chaud. J'ai mis le petit chauffage. Je l'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. Mais la personne aussi me donne chaud, hein. Yon à Lola, ça me correspond aussi. Alors, qu'est-ce qui vous correspond? Non, j'ai pas de personne décédée par le feu. C'est pas parce que je suis rouge et que j'ai chaud que c'est quelqu'un qui est décédé par le feu, hein. Merci pour les abonnements, et merci pour les j'aime, merci pour tout ça. Alors. Mais il suffit d'être abonné, ouais. D'être abonné à TikTok et Instagram, enfin celui que vous avez. Hein. Alors, qui c'est? Yon à Lola. Ah, mon papy était paralysé de la jambe, ma soeur, on l'appelle Lily. Moi aussi, ça me correspond, mais il s'appelle Maurice. Non, c'est pas. Ah, je vous en prie, Leslie. Vous étiez étonnée, je pense, Leslie, parce qu'elle avait un côté un peu figé. J'en étais à Lola là. Vous êtes tellement, j'arrive pas à voir les messages, c'est un peu compliqué quand même. À votre mari s'appelait Patrick et s'était cassé la jambe gauche. Non, mais Maurice, c'est mon père qui est connecté là. Ah, c'est ça, Leslie, complètement. Oui, je vous voyais, vous disiez rien. Vous dites rien, vous disiez rien. Vous étiez bloqué. Et je sais que vous êtes fun en plus, parce qu'il me le disait. Ah, c'est gentil, Aurore, vous communiquez bien. Alors, oui, Yann. Il y a une moustache paralysée de la jambe et début de gangrène sur la fin. Et ma sœur, c'est Lily. Alors, lancer un direct avec Yon. C'est encore Instagram.
Alors, retourner l'appareil photo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qui êtes-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Sarah. Sarah. Et du coup, ça correspondait, vous disiez, c'est mon grand-père, c'est ça? Parce que j'ai pas pu tout lire, il y a tellement de messages. Oui, parce que en fait, il était paralysé du côté gauche, donc il n'avait pas du tout de mobilité dans sa jambe. Et à la ferme, il faisait une gangrène, donc du coup, on l'a laissé partir à cause de ça parce que c'était du côté de sa jambe mobile. Et ma soeur, du coup, elle s'appelle Lisa et on l'appelle. Ah, d'accord, ok. Et vous avez pu lui dire au revoir à votre grand-père? Non. Ah, c'est pareil, c'est dingue, hein. Vous êtes beaucoup dans ce cas-là quand même. Et généralement, vous êtes tous aussi pareils, c'est qu'il y a une détresse dans l'affection et que vous êtes un peu perdu dans votre vie, hein. C'est beaucoup ça, les contacts défunts, puisqu'il veut que vous soyez dans le bien-être de vous déjà. Et je dis toujours, arrondissez les angles de votre caractère, de vos émotions, pour être au mieux sur votre chemin de vie. Donc, pour être un peu aligné dans l'énergie, ça veut dire aligné. Et vous, vous êtes une inquiète, vous êtes une angoissée, vous avez peur du lendemain, vous avez peur, en plus, vous suivez trop les infos, vous avez peur de ce qui se passe, et vous vous dites, je vais rester bloqué chez moi et je vais rien faire. Et il vous dit d'arrêter avec ça. On peut rien me cacher, il me parle. C'est impressionnant, mais c'est trop frais. Donc vous, alors vous c'est rassuré, c'est pas rassuré, c'est plus plus plus. Il faut vraiment vous prendre la main et vous forcer à dire mais non, mais tout va bien. Vous avez peur que si vous sortiez, vous prenez une bombe et que vous allez mourir. C'est incroyable hein, quand même. Hein. C'est pas Ah, c'est un ça. truc de fou. Il va pas se passer ça. Vous inquiétez pas. Il est là pour vous rassurer. Tout va bien. Hein. Donc c'est bien lui qui a aussi la moustache. En fait, ils sont plusieurs défunts en un. Ils font les poupées russes ce soir. C'est incroyable. Et pourtant, il dit, si tu savais comme elle aime rigoler, en fait, je la reconnais pas. Je sais qu'elle était beaucoup angoissée, mais en fait, vous adorez pas. Alors, vous avez une Marie en amie qui s'est mariée autour de vous. Est-ce que vous avez, vous, c'est une Marie ou c'est dans la famille? C'est dans Marie-France, la je famille. crois d'ailleurs. Est-ce que vous avez une Marie-France autour de vous, chez vos parents, j'en sais rien. Ce n'est pas des prénoms connus, hein, parce que ça ne peut pas être une amie d'école. Hein. Pardon? Je crois que c'est la tante d'un cousin. Et donc, qui disait, elle aime beaucoup rigoler. Donc il faut vraiment que vous repreniez les parties de rigolade, hein, parce que ça vous aère quand même l'esprit. Il faut arrêter d'être trop bloqué. Hein. Ah, et après, vous êtes hyper entière dans l'amour et vous avez peur d'être trahi. Et il faut arrêter aussi avec ça. Il faut faire confiance. Vous pouvez pas être sur la personne constamment à vérifier ou quoi. Il faut faire confiance. Vous allez devenir complètement barge si vous continuez. Il faut vraiment arrêter. Il est vraiment là dans la bienveillance. Hein. Il faut vous Moi, je détendre. l'essaye. J'essaye bien. Pourtant, je suis hyper spirituelle. Je travaille sur mes énergies depuis un moment. Oui, mais alors vous pouvez travailler sur vos Bon. énergies, mais si vous n'allez pas, si vous faites un peu la sourde oreille ou que vous mettiez comme aveugle des œillères sur le fond du problème, eh bien, ça ne va pas se résoudre comme ça en fait. Parce qu'on se dit, oh ben non, ça va aller. Non, non, ça ne va pas aller. Il faut vraiment résoudre ça en soi. C'est ça qui nous permet d'avancer surtout. Hein. C'est hyper important. Et pourquoi? Vous êtes jeune, non? Vous stressez pour avoir des gamins? Pourquoi il dit ça? Vous avez peur de ne pas en avoir là? C'est quel âge vous avez? J'ai 24 ans. Ah, oh, ça va, vous avez le temps, 24 ans. Mais vous stressez déjà de ne pas en avoir? C'est fou. Mais vous avez grave le temps quand même. C'est ce qu'on dit, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop d'amour. Et vous avez connu un Julien? Et c'est quelqu'un qui vous a perturbé dans votre chemin de vie, ça. Et Julien, oui. il était très beau. Il était très beau, lui, c'est ça? Est-ce que c'était lui qui était beau? Il y en a un qui était très beau, qui était perturbé. Non, dites-moi, si c'est non, c'est non. Ne hein. Me dites pas oui pour me faire plaisir. Alors, Hein. beau et perturbant, il s'appelle pas Julien.
Alors, il y a... Pardon? Ah, d'accord. Mais il y a un Julien aussi qui vous a perturbé apparemment. Bon, lui, je pense que c'était quelqu'un qui voulait avoir la main sur vous, mais il fallait pas. C'était pas quelqu'un fait pour vous. Je pense trop jaloux, trop égoïste et tout ça, c'est pas bon. Et Aubin, je pense que vous l'avez trop mis sur un piédestal et c'était pas la bonne personne non plus. En fait, vous avez eu les yeux écarquillés. Et alors, il dit de vous faire, enfin, vous faire confiance, pas dans l'état actuel où vous êtes angoissé, hein, parce que c'est pas bon, hein. Mais vraiment, vous allez attirer la bonne personne pour vous qui est liée à votre âme. C'est pas lié à je dois avoir le plus beau et tout ça. En plus, vous n'êtes pas comme ça, vous, généralement. Donc faites confiance en la vie qui va vous en... Soyez, mais alors faites confiance en la vie, mais ils me disent, mais elle est que en attente. Soyez pas en attente non plus. Créez un objectif. Alors, créer un objectif, c'est quoi? Je me fais les questions-réponses, en fait. Je suis avec vous, vous n'avez pas besoin de parler. C'est bien ça. C'est un peu comme quand ça se passe dans les consultations. Non, mais, et vous êtes spirituel, mais vous êtes hyper hypocondriaque aussi. Il va rien vous arriver, mais vous avez toutes les problématiques. C'est pas possible, il me fait rire. Mais même moi, ça me désespère. Alors, qu'est-ce qui me met? TikTok est restreint, ce live est restreint. Avertissement. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent? N'encourage pas le contenu qui manipule l'engagement. Parfois, j'en sais rien. J'ai pas dit aux gens, suivez-moi. C'est bizarre. Enfin, bon, on vous dit, même là, ça bug. On vous dit donc d'être dans l'accueil, mais, dans une projection objective, positive et aussi au présent, et vraiment le lâcher prise de plus angoisse, plus tout ça. Et en plus, c'est fou parce que vous aimez pas mettre des cachets dans votre corps, vous aimez pas mettre n'importe quoi. Donc, c'est dissonant. Vous avez peur d'être malade, et si vous êtes malade, finalement, il faut prendre des cachets, vous voulez pas les cacher, vous avez peur, ça adhérerait quelque chose en vous. Ça va pas, en fait. Ça va pas. C'est compliqué. Bon, vous allez y arriver. Vous êtes. Ah oui, il y a Cécile. Cécile, elle peut vous aider si vous voulez. Il y a Cécile Andreu, elle est hypnothérapeute holistique. Elle peut vous aider. Elle fait le corps et l'âme. Ça peut vous aider également. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez pris en compte les messages. Vous allez pouvoir les revoir dans les Reels d'Instagram ou sur la chaîne YouTube. Et comme ça peut vous faire écho et de vous dire, mais mince, c'est vrai, il me dit ça, il ne me connaît pas. Il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que il faut que je sois dans la joie, dans l'amour, comme j'ai été avant. Vous étiez plus dans la joie. Il faut vous retrouver là, c'est important. Et vous allez voir, plus vous êtes dans la positive attitude, plus vous allez attirer à vous les ondes positives. C'est QFD, hein, c'est ce qu'il fallait démontrer. Il n'y a que ça. Vous êtes bien. Ayez confiance en vous, vous êtes bien. Et ne laissez pas les autres vous juger. Vous êtes qui vous êtes et vous êtes bien. Hein? Ben, merci beaucoup. En tout cas, je suis contente. Du coup, ça fait un an que je regarde les lives. Ah, Et ben ça j'avais fait pas un encore an ouais, que vu. j'y suis. Bon, c'est cool. Voilà. Vous avez un petit Merci. message. Bon, je suis hyper content. N'oubliez pas, prenez soin de vous, surtout. Merci beaucoup. Vous embrasse. Au revoir. Et au revoir, à Au bientôt. revoir. T'es rigolote. Elle qui est adorable. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un avertissement TikTok en plein milieu. Ma foi. Alors, TikTok n'encourage pas le contenu qui manipule l'engagement des utilisateurs tel que suivre un utilisateur pour qu'il te suive en retour. Ton contenu similaire à l'avenir peut donner lieu à une limitation de l'accès à la fonctionnalité live. Ah bah dis donc TikTok, on dirait qu'on est dans la cour d'école. Alors quand vous allez voir ceux qui font n'importe quoi, qui sont là, qui attirent les gens sur les lives pour avoir des cadeaux, des gens ont signalé le live. Ah d'accord, c'est plutôt ça. Et oui, ils font exprès parce que je dois les gêner, évidemment. Quand on est dans la positive attitude, on les gêne. Eh ben, c'est pas grave, on fera des lives sur Instagram ou on fera des lives sur Facebook ou sur YouTube ou ailleurs, dans des streams, on fera autrement, c'est pas grave. Oui, et puis il peut y avoir de la jalousie et puis ouais, des gens qui sont pas, qui veulent me bloquer, comme ça ils récupèrent les abonnés, enfin j'en sais rien, enfin, c'est pas grave.
Bon, je vais répondre à quelques questions quand même. C'est déjà 22h10. Hein. Bulle de bonheur, pourquoi vous dites que ce n'est pas croyable? La limitation ou les contacts défunts? Bulle de bonheur, elle a l'air choquée. Ah, de bloquer, ben, c'est pas grave. Alors, YouTube, c'est faisable, Facebook, c'est faisable, j'ai vu. Et je peux même faire ça sur un stream, apparemment. Il y a un live stream où je peux regrouper les deux. Donc, franchement, TikTok, c'est pas grave, hein. Je vais répondre à vos questions. Et Moréa, je sais que vous êtes venu me voir déjà. Je fais pas les prédictions 2023. Pourquoi je fais pas? Parce que j'ai eu beaucoup de gens qui me suivent. Oh, dis donc, il y a une lumière. Et par rapport aux vidéos, par rapport donc aux prédictions, ça les stresse en fait. Alors, même si ce que je vois, je sais que je le vois. Notamment la vidéo que j'avais faite. Alors, c'est pas pour 2023, hein, c'est pour les années à venir. J'avais parlé des quand je faisais une petite randonnée, en fait, une marche dans la forêt. Ils étaient venus me parler, les anges, les guides. Et il m'avait dit qu'en 2055, les robots seraient dans nos familles, donc dans nos appartements, dans nos maisons, dans nos foyers, c'était. Et donc, ça serait des aides robots pour le ménage, pour tout ça. Et on pourrait communiquer avec eux. Et ça va y être en 2055. Oui, je peux faire des live prédictions et ceux que ça gêne, ils ne regardent pas. Oui, c'est vrai, Nathalie, tu as raison. Après, j'avais vu, ils m'ont parlé qu'ils allaient envoyer dans l'espace une espèce. Alors, c'est comme une bombe nucléaire, mais c'est dans l'espace parce qu'ils ont besoin de le faire quand même dans la matière, mais pas sur cette planète, en dehors de la planète. Ils essayent de créer quelque chose. Ben, ça va donner quelque chose qui va être utile apparemment pour les voyages dans l'espace. C'est ce qu'on m'a dit. Et je suis tombé sur un TikTok, je crois que c'était ce matin, où il parlait de ça d'ailleurs. Il faisait la différence entre la fission et la fusion, et qu'il devait recréer quelque chose à faire éclater au niveau nucléaire, ben, pour découvrir un truc. Il parlait, alors moi je ne suis pas scientifique, je ne connais pas tous les termes, mais j'ai vu que ça correspondait à ce qu'on m'a montré en fait. Le sable, j'ai pas eu le cas encore de défunts qui étaient médiatisés, qui m'ont parlé. Ah, merci Vérofond, bonne soirée. Et ensuite, j'avais dit que ça allait être très dur fin 2022, début 2023 par rapport aux finances, parce que ils vont essayer de tirer sur la corde, on va vous dire encore que c'est l'Ukraine, que c'est ci, que c'est là. Et là, d'ailleurs, ils en parlent, hein, mais je vous avais dit ça il y a quelques mois. Ils disent de réduire le chauffage, tout ça. Bon, après, je pense que les gens qui n'ont pas forcément les moyens, ils mettent pas le chauffage à 25 degrés chez eux. Donc, c'est un peu du n'importe quoi, comme d'habitude, mais les gens y croient et on vous tient encore. Et c'est pour ça que je disais, je sais plus comment elle s'appelle, la jeune fille qui était juste là avant. Je suis désolé, mais quand je suis connecté, je me rappelle pas des prénoms, je me rappelle pas de tout. Et qui était une angoissée, qui allait se retrouver avec un missile sur la tête, alors que pas du tout. Ne soyez pas, ne suivez pas les infos, suivez pas tout ça, ça sert à rien, c'est pour vous influencer. Soyez heureux, pendant ce temps, vous perdez de la vie à attendre que quelque chose vous arrive, et puis ce truc, il va jamais arriver, hein, vous inquiétez pas. Est-ce que ma grand-mère a pu partir de l'autre côté et revenir? Oui, c'est possible. Kelly. Ah, c'était Sarah, pardon, merci. Oh, 13 dodo. Et oui, les Nathalie, les défunts, ils connaissent le futur, ils connaissent tous, tout, une fois qu'ils sont de l'autre côté. Oui, moi, plus de télé depuis 2019. C'est bien, Patricia, ouais, parce que franchement, la télé. La guerre, j'en avais parlé dans un TikTok, dans une vidéo. C'était en mai, je crois, en mars ou en mai. De toute façon, il y a les dates, hein, sur les TikTok, où j'avais dit que ça allait un peu s'empirer cet été, que ça allait réduire à partir de novembre.
Donc, je pense qu'il va y avoir des concessions mises en place. Mais ça, c'est pareil. Je suis pas. J'ai vu une image du président de l'Ukraine là, il y a 3 jours. Et en fait, je me dis, je le sens pas très honnête, cet homme. Je me dis un truc. Est-ce que c'est lui qui est de mèche ou est-ce qu'il fait plus de d'actions pour, enfin, genre, il rajoute des destructions pour dire, ben, regardez ce que fait la Russie, parce que ça me semble très louche ce qu'il dit. Enfin, de l'image que j'ai vue, quoi. Il montrait, regardez ce qu'il y a, et je trouve, regardez les destructions qu'il y a, et je trouve ça louche, en fait. Pourtant, vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes 275, ça a vachement réduit sur TikTok, on était à 800, je crois, ou je sais plus combien. Ça a réduit. Dès qu'il n'y a plus les contacts défunts, ça réduit. Alors ça, j'en avais parlé pour les personnes qui sautent la vie. Généralement, ils sont comme dans une pièce à part, enfin dans un lieu à part, dans la lumière, et ils sont dans un apprentissage. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont vous dire, il y a 12 niveaux, il y a 15 niveaux, c'est pas vrai, enfin c'est pas vrai. Moi, en tout cas, qui suis connecté, je le sais pas, donc. Quand nous avons annoncé sa fin de vie, le lendemain, elle savait que mon oncle. Et le lendemain, elle savait ce que mon oncle avait dit. Vous savez, Kelly, je disais ça en consultation. Il faut bien prendre en compte qu'un médium, un voyant, est connecté vraiment à toute forme de choses, d'énergie, et qu'on peut être connecté aussi à ce que les gens pensent et veulent. Ça veut dire, ou au ressenti des personnes. Donc, ça veut dire que s'il y a une masse de la population qui pense à vouloir le décès de Poutine, eh ben, le défunt peut capter ça et se dire, ben, finalement, ben, Poutine, il va mourir. Alors que pas forcément, ça peut être juste, je capte l'énergie des gens qui est envoyée, mais j'arrive pas à voir au-delà, donc, la réalité de ce qui va se passer. Il y a vraiment une différence. Hein. Pouvez-vous avoir un message de mon papa? Ben Sophie, pas là. Je ferai la prochaine fois du coup, parce que là je vais m'arrêter. Ça fait c'est déjà 22h20 et moi j'ai déjà une journée dans les jambes et une connexion et des connexions que j'ai eues. Du coup, je vais vous laisser. En tout cas, vous inquiétez pas. Moi, depuis que je suis gosse, on parle qu'il y aura toujours des trucs négatifs qui vont arriver et puis finalement on s'en est toujours sorti. Donc quoi qu'il arrive, on va rebondir. Donc il vaut mieux faire sa vie comme on l'entend, au temps présent et avec de l'énergie positive et de pas se tracasser avec ce qu'il pourrait arriver parce que pendant ce temps, eh ben le temps passe et vous faites rien. Voilà. Donc vraiment prenez en compte ça, vous devez être heureux dans le bonheur, dans la bienveillance, dans l'amour, surtout de vous-même d'abord. Et puis, après, on se revoit peut-être bientôt. Mais en tout cas, j'enchaîne tellement que c'est un peu compliqué. Et puis, comme il y a tous ces projets qui se mettent en place, mais j'ai plus trop de temps. Et du coup, j'essaie d'en prendre un peu quand j'en ai. Voilà, je vous dis à très vite. Vous avez les replays sur la chaîne YouTube Nicolas David Medium Paris et vous les avez dans les Reels d'Instagram. Merci aux modérateurs et modératrices qui, pour la plupart, sont des amis quand même. Donc, merci Nat, Mag et Cécile. Et à Vérofond, à Dupé Aurore, à Muriel Raymond, à tous. Et merci d'avoir été là. Je vous embrasse, passez une excellente soirée et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Au revoir tout le monde.